Chères Alaudiennes, chers Alaudiens, bonsoir. Bien que cette manifestation ne puisse exceptionnellement pas être ouverte au public cette année en raison du contexte sanitaire, nous avons souhaité maintenir ce temps fort de nos traditions provençales et permettre à chacun d'en profiter à travers une retransmission en vidéo, en direct. Ainsi, le défilé traditionnel va prendre place dans quelques instants avec la participation de membres des associations traditionnelles alaudiennes. Le comité des fêtes, la chorale Saint-Sébastien, le théâtre du terroir, les groupes Saint-Éloi et les amis d'Allo et tous les autres. Je tiens à souligner leur dévouement et leur motivation à faire vivre nos traditions provençales, quel que soit le contexte, et je les en remercie. Les bénévoles, en habit du XIXe siècle, descendront en musique en direction de notre église Saint-Sébastien pour assister à la traditionnelle messe de Noël. Cette nuit de Noël se déroule à Allo depuis plusieurs décennies dans la plus pure tradition provençale. Il me tenait donc à cœur de la maintenir cette année et de vous permettre de suivre en direct sur notre site et la page Facebook de la commune ce défilé traditionnel ainsi que la messe de minuit. Grâce à ce dispositif exceptionnel, tous les amoureux de nos traditions, petits comme plus grands, pourront vivre cet événement depuis leur domicile, qu'ils soient seuls ou en famille. De la Punch à Fontvieille, en passant par Anco de Botte, Pichori, le Logis Neuf, Piedoterie ou le Village, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël dans la joie, la sérénité et dans le respect de nos traditions. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est une navette, ça ? Navette, oui. Navette, qu'est-ce qu'il y a ? Siège de Saint-Victor. Siège de Saint-Victor. Très bien. Bon, le message est passé ? Est-ce que le message est parti ? Il est parti, le message ? T'as vu ? Les noisettes, des raisins, des amandes, des figues sèches. La tresse des sacs. On peut faire la part sur la voie. Et elle n'est pas partie ? Je crois pas. Attendez, juste un truc. Merde.
Oui, ça y est, c'est fini, c'est fini. C'est bon là. C'est bon. C'est bon. Tu as envoyé, le discours est fini. Ah non, mais on n'a pas un message. Si, vous allez, mais... Le discours est fini, Eric, ou pas? On peut y aller, on peut y aller, alors. Ok. Ouais, mais bon... La diffusion dans le village, on peut l'envoyer, non? Oui, 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 bien sûr. Aucune référence. Nous, c'est fini, c'est diffusé, nous. Aucune référence, aucune. Ah, mais bon, comment on va? C'est tout le monde, il était caté, il était caté, il était caté. Tout c'est bon. C'est bon. Allez, passé. On allez, go. Allez, vas-y. Doucement. Allez, on commence à partir les doucement. Attendez, attendez. Mets-toi devant, Maurice. Attends, on va le passer comme ça. On va la croix. Attends, Lionel. Ah. Garde la distance. Voilà. Il ne sera pas, les appareils, il faut y aller. Vas-y. Allez, on est parti. Attendez. Oh. Mais laisse-les, les petits. Voilà. C'est parti. Allez, en route, à bolide. Allez, feu. Les appuis par cette. Bon, un peu de musique là. De musique. Oh Pierre, tu es beau. Oh non, tu l'as fait. Oh, tu rigoles. Tu rigoles. Je ne pas sur la fin. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Dès que vous êtes arrivé, là, vous étiez où? Merci, mais je me viens. Ça revient.
bon. Alors on fait des vernages. Ouais. On va aller pour le son. Ça va aller bien. Voilà. Tu me dis derrière. Si tu vois un trou derrière. Ouais. Mais là il y a une arrière. Ce meunier. On va continuer. Ah ouais.
on fera chauffer le charbon. Oui, t'as raison. Comme ça, plein de fumée. Thank you.
Stopping.
c'est pas la peine. Par contre, il faut que je change. Là. Tu as mis la caméra là-haut ? Hein ? Non, je ne l'ai pas mise. Ah bah je vais vite la mettre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, c'est une année bien particulière qui a fait que notre descente des bergers habituels n'a pu se tenir comme d'habitude. Mais enfin, le cœur est là, et ne nous laissons pas voler cette belle espérance chrétienne. Christ est venu, il est ressuscité. Voilà ce qui fait finalement tout le sel de notre vie. Puissions-nous en vivre. Je vous dis deux mots de notre archevêque qui a écrit une petite lettre en ce jour de Noël. J'en ai retenu deux phrases. Étrange Noël, étrange à cause des discours de responsables en tout genre qui nous ont assuré jour après jour qu'ils faisaient tout pour sauver Noël, comme si le sauveur avait besoin d'être sauvé, comme si libérer la fièvre commerciale était la condition du salut du monde. Étrange Noël, en effet, placé sous haute surveillance, à l'aide d'un discours moralisateur, envahissant, inquisiteur. Chers amis, ne nous laissons pas voler cette joie qui nous rassemble aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu. Et nous chantons avant un beau venez divin Messie. Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous vous sauver. Vous êtes notre vigne, venez Seigneur, venez. Descendez, Verbe divin, que votre secourable main brise le joug du genre humain. L'enfer nous fait la guerre, et vos enfants sont enchaînés. Descendez sur la terre, venez Seigneur, venez. Venez, Messie, nous rendons l'espoir et nous sauver.
confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Saint-Augustin. Homme, éveille-toi. Pour toi, Dieu s'est fait homme. Tu serais mort pour l'éternité s'il n'était né dans le temps.
qui n'aurait jamais été libéré de la chair du péché s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri s'il n'était pas venu. Célébrons dans la joie l'avènement de notre salut et de notre rédemption. Dieu pouvait-il faire briller sur nous une grâce plus grande que celle-ci? Son Fils unique, il en fait un Fils d'homme. Et en retour, il transforme des fils d'hommes en fils de Dieu. Cherche où est ton mérite. Cherche où est le motif, où est la justice. Et vois si tu découvres autre chose que la grâce seule de Dieu pour toi. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le
soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite, réponds à l'ange, ou plutôt par l'ange, réponds au Seigneur. Pourquoi tarder? Pourquoi trembler? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l'assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu'au dehors, le désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin. Lève-toi, Marie, cours, ouvre-lui. Lève-toi par la foi, ouvre-lui ton cœur par ton consentement. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Dans les temps, tu es le Seigneur. Sois le Seigneur.
lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie. Tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux. Dieu fort. Père à jamais. Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra. Et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous chantons la Kamobifama. C'est un chant qui retrace le pèlerinage que nous venons de faire dans les rues, quand tous les gens partent de chez eux et qui vont dans les tables. Mais c'est en province. Ya bunde chen ke bane o ma ba ma che ya bunde chen ke bane betelen ye volna sa kaze pronto voce ye volna se pone camina la cambo mi fai mal otto selo otto selo la cambo mi fai mal otto selo. Afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier
faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous prenons le chant Pastre et Pastresse, qui relate encore une fois ce pèlerinage qu'on fait vers la crèche. Et là, cette fois, on le fait en courant. Pastre, pastre, so, cores benes tus peccaire, pastre, pastre, so, cores benes tus, vos dom mestre, so, na beson de vos peccaire, vos dom mestre, so, na beson de vos. Na labur canto, prede petelem peccaire, ses accucciato, sus in pao de pen, peccaire l'infante amable de matin est nam. Ma cheu bellance, mogros de liber peccaire fauto delante, est tu descuper la Virgen Maire, contemplo son fri peccaire, son fa che faire, cam lo vento nu. Ciò provo, vo farie pietà peccare, pia, ma di nuovo, che non ha tetà, non sto pastresso, bulle cum lengman peccare, e infantaresso, manna che l'enfant. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Ensemble, notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Notre Sauveur est né. Alléluia. Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Festivités habituelles ont pu se réaliser et où la chorale n'a pas pu se réunir pour chanter à quatre voix comme c'est son habitude, et également tout un tas de choses qui ont pu se mettre en place. Mais le cœur y est et nous fêtons notre Sauveur. Alors quand nous mettons le petit Jésus à la crèche dans les tables, il me vient toujours ces images d'enfants où quand nous entrions dans une étable on disait « Mon Dieu, que ça sent mauvais !» Et nos parents s'exclamaient « Mais non, c'est l'odeur de la ferme, ça sent bon !» Comme pour nous rassurer. Mais, finalement, ce petit Jésus qui vient et qui loge dans l'étable, il est là pour manifester une chose importante, que quand le Seigneur nous rejoint, il nous rejoint là où nous sommes, dans l'étable. Il y a la toile d'araignée, il y a la roue qui rouille, il y a la paille, il y a les animaux, il y a l'heure d'éjection, il y a tout ça, il y a la vie. Quand le Seigneur nous rejoint, quand il naît, qu'il est posé dans cette mangeoire, là, dans cette étable, c'est pour bien signifier que Dieu nous rejoint là où nous vivons. Il nous rejoint tel que nous sommes, pas un être fantasmé, rêvé, avec, vous savez, toujours on dit, « Seigneur, je ferai ceci, je ferai cela, je changerai, plein de résolutions qui n'aboutissent jamais à rien. » Et puis parfois, même, on jure, oh là là, qu'est-ce qu'on jure parfois? Bon, mais non, le Seigneur s'adresse à nous tel que nous sommes. Et dans notre vie, dans notre cœur, c'est comme une étable. Il y a de tout. Parfois, il y a des odeurs nauséabondes, comme on dit. « Ouh, ça sent mauvais !» Et on aimerait mettre un petit coup de parfum pour faire semblant que tout va bien. Parfois, il y a la faiblesse, la laideur du péché qui est dans notre cœur. Mais ce qui est beau à voir, c'est que Dieu nous rejoint là. Il nous rejoint précisément à cet endroit-là, dans cette étable, là où il y a ces odeurs, là où il y a ce péché, là où il y a nos limites, là il y a toutes... c'est oui au mal que nous pouvons faire. Il nous rejoint là, pour, au cœur de cette étable, qui est notre cœur, y planter sa croix, y faire régner sa résurrection. C'est tout le sens d'ailleurs du chant du divin Messie, hein, d'une étable à son crucifiement, c'est le même mystère. Dieu se donne, et déjà dans l'étable, nous devons avoir dans notre cœur et dans notre intelligence cette présence du Christ sur la croix, cette présence du Christ ressuscité, c'est tout un. Dieu se donne à nous, et il se donne à nous en venant nous rejoindre, rejoindre notre condition humaine en prenant notre chair, nous rejoindre dans notre cœur, cette étable intérieure que nous avons, où elle est telle qu'elle est, et il ne faut pas se la raconter, elle est telle qu'elle est, et il nous rejoint là. Avec douceur, c'est un petit enfant qui est là. Avec douceur, patience
et il désire au plus profond de cette obscurité de l'étable, avec la petite bougie, la profonde se déplace dedans, il désire y mettre eh bien, sa vie, sa joie, sa résurrection. Oui, Seigneur, viens dans cette étable. Et à Bethléem, quand on y va, c'est pas une étable qu'on voit. Ah. On voit une grotte. On rentre dans l'église, qui est magnifique. Quand le prêtre orthodoxe veut bien, il ouvre une trappe, là, et on descend les escaliers. Et on arrive dans une grotte, on voit une étoile en argent, et on dit, c'est là que Jésus est né. Pour la petite histoire, il y a des plaques de partout offertes par la France au 19e siècle, des plaques d'amiante, magnifiques. C'est sa petite histoire, offerte par Mac Mahon. Mais donc, c'est ce lieu-là. Il est là, il est né là. Je descends dans la grotte. C'est un chemin spirituel, cela. Chacun d'entre nous, on est invité à faire ce chemin avec le Christ. Le Seigneur est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Souvent, nous sommes tellement occupés par les occupations externes à nous-mêmes. Il y a la vie de famille, les courses, la maison, le travail, la couche, le repas, que sais-je encore. Tout un tas de choses à l'extérieur de nous-mêmes. Et puis aussi, on aime bien et que les projecteurs soient braqués sur nous, donc paraître. Et tout ça, c'est sur l'extérieur que ça joue. Mais le Seigneur nous dit, je t'attends. Je t'attends, toi, personnellement, au plus intime de toi-même. Dans la grotte de Bethléem, dans la grotte de ton cœur. Descends les marches pour arriver jusqu'à cette étoile où je suis né. Descends au plus intérieur de toi-même, ce lieu où tu es seul, mais non, où Dieu t'attend. Ce n'est pas dans l'introspection cela, c'est rejoindre Dieu qui est là présent et qui désire se manifester à toi. Ce lieu de ton cœur, ton âme, ton esprit, ta conscience, plein de petits mots comme ça, qui sont là pour manifester cette intériorité où le Seigneur nous attend. Et il ne faut pas passer à côté de cela. On a tellement de choses à faire dans la vie, c'est vrai, et c'est des choses importantes parfois. Mais n'oublions jamais que le rocher sur lequel nous devons construire notre existence, cette base solide sur laquelle nous devons appuyer notre vie, c'est le Seigneur Jésus. Hors de lui, eh bien, tout vacille, comme il dit. Je suis le rocher, construis ta maison sur moi. Il est là, dans cette grotte de ton cœur, il nous attend. Descendons en silence au plus profond de nous-mêmes pour prier, si ce n'est tous les jours, au moins par semaine, ce temps de silence pour rejoindre Dieu. Et vous savez, la prière, pas forcément besoin d'apprendre plein de choses. Parler au Seigneur, dire ses merci, ses pardons, lui confier ses peines et ses joies, tout simplement. Mais le rejoindre là où il nous attend, comme dans la grotte de Bethléem. Et puis nous avons entendu dans l'Évangile, il y a un signe qui est donné. Les bergers reçoivent des anges, ils reçoivent une lumière éblouissante, mais ce n'est pas le signe. Alors qu'on pourrait se dire, oh là là, des anges, une lumière qui nous tombe dessus, ça y est, Dieu veut nous dire quelque chose, c'est un signe. Eh bien, pas du tout. Le signe, c'est, vous trouverez un enfant dans la mangeoire. C'est ça le signe, un petit enfant qui naît. Chers amis, Dieu se donne à nous dans la fragilité, la dépendance, le dénuement. Et c'est bien vrai, pas de crainte face au Seigneur. Il est là, il quémande notre amour, il quémande le oui de notre liberté. Pas d'arrogance en lui, une toute puissance d'amour qui se risque à questionner et quémander notre amour. Chers amis, ces bergers, nous les avons vus entrer avec des agneaux sur les épaules. Cet agneau, comme aime à le répéter souvent notre ami Pierre, c'est le bon Dieu, et c'est bien vrai. Sur tous les tabernacles, presque tous, des églises, il y a un agneau qui est dessiné, gravé dessus.
quand nous déposons les agneaux aux pieds du Jésus, quand nous déposons cet agneau, c'est pour bien signifier Seigneur, Seigneur, c'est toi l'agneau, c'est toi cet agneau qui est immolé, c'est toi cet agneau qui est offert. Tu te donnes à nous comme un agneau. Chers amis, lorsque nous communierons, lorsque nous prierons aussi tout simplement, puissions-nous prendre conscience de cela. La crèche, la croix, l'agneau, tout cela c'est le même mystère. Tout cela nous donne à contempler un Dieu qui nous aime à la folie et qui se donne jusque-là. Il est devenu l'un de nous, pas comme un touriste, hein. C'est pour de vrai. Il n'a pas fait un petit tour et puis il s'est dit, ça y est, je repars après chez moi. Pas du tout. Il s'est donné à nous jusque dans la chair. Il a pris un corps, notre chair. Voilà jusqu'où le Seigneur nous aime. Et cette chair est appelée à la vie éternelle, à la suite du Christ. Alors, chers amis, que sommes-nous venus chercher ici? Cette question, chacun peut y répondre soi-même, dans le secret de son cœur. Mais en tout cas, puissiez-vous repartir chez vous en ayant pris conscience que c'est Dieu en premier qui vous recherche parce qu'il vous aime. C'est Dieu en premier qui vient jusqu'à vous, vous rejoindre parce qu'il vous aime. Alors, laissez-le habiter les tables de votre cœur, la grotte de votre cœur. C'est sûr, il y a peut-être la bouse de la jalousie qui traîne là. Il y a peut-être la toile d'araignée de la colère, parfois comme une odeur un peu de haine ou de rancœur, c'est sûr. Mais pourtant, il désire venir jusque-là vous rejoindre, pour vous sauver, pour nous faire goûter à la vie éternelle, pour nous faire entrer dans la gloire de la résurrection. Alors viens, Seigneur Jésus, illumine mon cœur, illumine nos cœurs, et répands-y le doux parfum de ta naissance. Oui, Seigneur, viens nous sauver. Amen. Mettons-nous debout et nous allons ensemble proclamer la foi chrétienne. Comme de coutume pour la fête de Noël, nous prendrons vers le milieu un petit temps de silence. Je vous indiquerai le moment. Et nous disons,
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On a fait un mix des deux « Je crois en Dieu », mais c'est pas grave. Chers amis, nous allons maintenant faire cette belle procession du petit Jésus. Nous allons chanter « Les anges dans les campagnes », mais en provençal, parce que nous sommes en Provence. Amen.
chantons « Il est né le divin enfant » parce qu'il est né. Il est né, tous ensemble bien entendu. Il est né le divin enfant, j'aurai au moins. Oh.
19e siècle, toujours le même chant, pour ne pas se languir sur le chemin, eh bien, on chante et on fait des blagues. On va chanter des canzonettes. Thank you.
au de nos pères, le Dieu, et le Saint-Esprit, en s'insiègue. Ô bon Jésus, tu que fasses maturer les plats, tu que nous bailles la pleau, pour aseigner nos exhortes, assustons-nous. Tu que nous mandes les troncs et les yeux, per fin che capire se anche un pude a pavo nu dormao. Tu che nu baies nu feu per nu caufa, fai calegar nu stai giur o rai de talus. Per aquest guiado de nuve, li pastureu e li pastureu d'alau e de marsiglio, sun vengu da pe, ti se mundre sei pu puli presen, e cantate il segno di nostro vieio e bello lengo di Fuvenzo. E a tenere senso, o buon Gesù, vei sì la vigna ibis, che è scapulato che rinde latin, e che ha trepato tutta la nuve, per tanto barlo vinto, che è tanto Cristo. Va chi, merciandum, che venti dittature di cicca, di sussumeo e di lunga, che mi reis a mello a cacchio di nacquello. Ma chi, un Gesù, lo li vai ris, che tanquiliu mese novembre nei buoni sull'ivo, e isai pressata e stracciata per l'infabre gialloli, che pugnava e segui lo stai da che badai. Va chi beu Signore, un mugnier e la boulangère che ti vengono a dire, vuoi dei plat, un po' di farina, un pancresi e un bagnetto. E ben di lui, ben disespa di frio. Vacchiava Deo Gesù la giardiniera, che ben e me tutto meno tortulaio, perché ta buono mai che ti puesca l'estino buono menestro, come dei cardi, d'appi, di truffo, di pastanarco. Vai mugnir, ara, vei si della Badia di San Vitur. La mergianda di navetta e che venta a dire lo sire verde San Vitur per ta parare il pericolo dei tronchi di Suiao. Tocco, tocco. Vacchiava per Gesù la bucatiera, che vende lui per tradurre tutte le flore, per le più belle flore, che possiamo nella nostra chiesa, e che diventa buona la tempera. Vacchiava per Bugnieu, le paura di gente che tranquillini ribaltasse sopra le alpe, se fuisse, le innose, le avellane, le rasinze, le figo, le amelo, che sono tutto meno di passarita tan richiesto, che le mugge dell'angimeggiano hanno rivesti per fare sei rubio, il colore della pauvretà. Ah, vabbè, un signore, ma chi lo fuma già,
maja erecta lesti dei tomo de cassa, tutto mede de caccia per embardiga de buena resta de pan. Top. Baki Ibrahim Bounier, vous merchez la marchande des fruits frais. Tandis de palmes, des pères d'arrache, des soirs, des terrasiers, l'ouvert d'or, des rengibales et des chèches de serre. Qu'est-ce que vous voulez? Baki Brave Jésus, les bouscatiers, qui est en culi, ni la couelle, en face, des bouées. Et bien ça, il y a pas automatiquement les oublier d'un cuit. Pas des mauvais du monde. Baki, beau Jésus, les carbonniers des tests de Rougeau, quand nous cavafons, et retraire les boules de carbone que vous tarasse de nous payer les jours de geladure per sans classe. Top, vous t'en prie. Bravo Bounier, le Ivaki, le pubi o pastre da lao, que teis angi ti venunt apparese per annunciar l'uso destinado a nostre pobre mondi per tane in senso. Nenes vengu di Garabando, Castelcumberde, Zoupio, e mai lui ne tutta la Provenza, per tardura. Ti venum a furtir, bravo Signor, che tu, lo Cristo, sies su verdadiera nieu de Dieu, la nieu de Dieu, lo sauvaire d'un mondi real e eternal. Baki, Arthur. Timothée. Pierre-Emmanuel. Sébastien. Clément. Jérôme et Marlon et Lionel, notre mère. Top, top, top.
qu'on chantait, le chant que l'humanité entière chante ce soir. Sur toutes les latitudes, à l'univers entier, on chante douce nuit. Et à l'eau, nous n'y échappons pas, on va chanter le plus beau chant de Noël. Ensemble. Siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude. » Mission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Château, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Laurent et Sébastien, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tu es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Thank you.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
annonces, chers amis. Déjà pour les matinaux, demain il y a la messe à 8h à Notre-Dame du Château, pour ceux qui veulent venir, pour la messe de l'aurore de Noël. Puis ici demain à 10h30. Pour le 31 décembre et 1er janvier, le 31, il y aura la messe à 18h à Saint-Laurent, au Logis Neuf, à la Bourdonnière, afin de dire merci au Seigneur pour cette année écoulée, messe d'action de grâce. Et le 1er janvier, à 10h30, la messe à Notre-Dame du Château, pour confier l'année à Notre-Dame, tout simplement, l'année 2021. Donc le 31, 18h à la Bourdonnière, et le 1er, 10h30, à Notre-Dame du Château. Sachez d'ailleurs que la chapelle Notre-Dame du Château est ouverte entre aujourd'hui et le 1er janvier, tous les après-midi, de 14h à 17h30, afin que vous puissiez y monter, prier et contempler la belle crèche. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yeah.
si vous n'êtes pas trop pressé d'aller réveillonner. Derrière l'hôtel, la pompe de Vincuis est derrière le maître-hôtel.